Comprendre à fond comment fonctionne le commissariat Souciat, bureau de quartier de la commune de Manica, et identifier les défis à relever dans chacune de ces entités, c'est l'essentiel de la visite du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité ce mardi 17 septembre. Tôt le matin, Roué Kombamayonde Philippe a commencé sa journée à la maison communale de Manica où il a été accueilli sous l'honneur policier par le bourgmestre de cette commune, Thierry Sambomba, après avoir tracé les tableaux de son administration, conduit les patrons de la sécurité au Lolaba à visiter le bâtiment qui abrite toute la police dans sa diversité. De là, la délégation a été au bureau du quartier Mununga. L'autorité municipale a conduit le ministre Roué Kombamayonde Philippe à contempler l'avancement des travaux du nouveau centre de santé de référence de Manica, un nouveau bijou de déniveau sorti de la terre et qui prendra bien en charge une bonne partie de la population de cette contrée. Dans les soucis de mettre fin à l'insécurité dans la ville de Kolwezi, Roué Kombamayonde Philippe est arrivé à Kiamanzaka, considéré comme une zone rouge. Sur place, le numéro 1 de la sécurité a sollicité l'appui de la population et promet d'encourager tout celui qui dénoncera le malfaiteur. Kama mune Twitter, mune tubambi ya tu bandi moya ule kuna agrese, ule anafanya bibaya na anaiba, tutanza kumipatia primi juu tu diminuwe ile insekurite. Signalons que son excellence Roué Kombamayonde Philippe a visité et écouté ce jour tous les administrés des 12 sociétés de Manica et quelques chefs de quartier de cette commune et promet de faire rapport à la gouverneure Fifi Masuka pour que certaines solutions soient trouvées de toute urgence.